La réussite de l'industrie française du jeu vidéo de ces 10 dernières années, ça a été sans doute d'avoir eu la capacité de rebondir après des années un petit peu difficiles. On va dire entre 2005 et 2010, avec la crise financière qui n'a pas aidé, certains. Enfin, on était inquiets pour l'industrie, clairement. Du coup, quand il fallait faire entendre la voix des intérêts de l'industrie du jeu vidéo, personne n'était là pour le faire. Et là, le SNJV est arrivé à ce moment-là, où il a fallu qu'ils agissent très rapidement pour permettre à des studios de survivre. C'est le début d'une recomposition, et je dirais même une composition, parce qu'il n'y avait pas de secteur professionnel identifié. Et le SNJV a joué, de ce point de vue-là, un rôle essentiel. Je crois que l'action, d'abord, de talentueux créateurs, d'entrepreneurs courageux, et puis finalement la dynamique qu'a créé le SNJV, a permis de mettre en place un certain nombre d'outils qui ont aidé les entreprises plus traditionnelles du jeu vidéo, console, PC, à passer les caps difficiles. Quand on prend le pouls du jeu vidéo en France, c'est un peu au SNJV qu'on va demander, parce que ça fait un interlocuteur unique. Et ça a aidé à structurer, à fédérer, et du coup à donner une image unie et une voix unique. On a vu le nombre d'entreprises augmenter, mais aussi le nombre de collaborateurs qui travaillent dans le jeu vidéo en France se développer fortement. Le SNJV a vraiment aidé car il a permis de continuer à faire grandir l'image des jeux vidéo en France auprès des pouvoirs publics et auprès de toute la presse. Il y avait déjà à l'époque, et j'en étais très consciente, un début de fuite des talents et des cerveaux vers des pays attractifs fiscalement comme le Canada, notamment Québec, mais aussi Singapour. Et il y avait des pays qui étaient très agressifs pour essayer de nous piquer nos talents. Mince, tout le monde part maintenant en Angleterre parce que d'un coup, il se passe un truc. Ah mince, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça et pour garder nos talents ici? Et le SNJV a réussi à chaque fois à ramener quelque chose pour dire ben non, restez en France, c'est pas la peine d'aller au Canada ou à Singapour. Moi, je pense qu'il faut vraiment rendre hommage. On ne se rend pas toujours compte de l'importance que ça a pu avoir et surtout du niveau de compétence qu'il faut pour... J'invite les gens à aller voir les vidéos du SNJV quand ils ont dû s'adresser au Sénat. Il faut être très solide. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y avait beaucoup de résistance, mais je crois que collectivement, on a réussi à installer le jeu vidéo comme à la fois une industrie très puissante en France et une œuvre de l'esprit à considérer avec autant d'égard que la BD, mais aussi la peinture, les arts plastiques. Voilà. Donc c'est pour moi, c'est ça la grande réussite. Ça a été vraiment un vrai combat et aujourd'hui, le SNJV est reconnu, légitime, a du crédit, s'entend très bien d'ailleurs avec le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, ce qui n'était pas le cas au début, hein, avec cette fameuse phrase de délégué général qui nous traitait de syndicat des parfumeuses de Digne-les-Bains. Mais grâce au SNJV, on a pu argumenter et convaincre les pouvoirs publics de mettre en place un crédit d'impôt jeux vidéo. Et donc on a travaillé ensemble pour renforcer considérablement le crédit d'impôt jeux vidéo, ce qu'on a fait. C'est la mise en place et l'amélioration du crédit d'impôt jeux vidéo qui a littéralement transformé notre industrie. C'est réellement le crédit d'impôt jeux vidéo qui a permis à plein de studios, et pas seulement aux plus gros, de pouvoir financer des projets. Ce sont des aides aujourd'hui qui permettent à beaucoup de studios
de faire leur marge ou même de vivre et de survivre. C'est quelque chose qui est super utile en fait pour notre studio. Nous, on va le demander sur le projet sur lequel on travaille actuellement. Voilà, c'est quelque chose d'indispensable. Aujourd'hui, on aura du mal à s'en passer. Il y a 6 ans, moi, j'étais encore au Québec. Et quand j'ai voulu monter ma boîte en France, que ce soit les Français ou les Québécois, tout le monde me disait « mais t'es complètement dingue ». Et moi, je sentais qu'il y avait un pari à faire. Bon, déjà, j'avais envie de rentrer au pays, mais de manière générale aussi, je trouvais que il y avait une dynamique, il y avait une entraide. Mais tout ça n'aurait pas pu exister si on n'avait pas eu le concours de certains nombres d'administrations comme le CNC, la DGE, d'un certain nombre aussi de dirigeants qui ont pesé dans la balance. Et donc, on a réussi à aller convaincre nos édiles que ces petits studios méritaient des aides, qu'il n'y avait pas que les gros qui pouvaient avoir de grosses aides, les petits avoir de petites aides, ça leur permettait d'exister aussi. Il y a eu aussi de l'entraide entre les plus gros studios et les plus petits studios en France. Les acteurs de la filière ne se connaissaient pas, se parlaient très peu, très localement. Et moi, j'ai vu émerger, grâce au travail d'animation de filière, j'ai vu émerger un collectif. À travers le SNJV, à travers le Capital Games, à travers toutes comme ça les collaborations régionales et nationales, on a réussi à mettre les gens en contact, à se passer des tuyaux, à se rencontrer, à s'aider, à se passer des projets, et donc du coup à faire émerger des tas de petits acteurs qui ont apporté beaucoup de choses au secteur. Pour nous, ça a été crucial parce que le SNJV, c'est ceux qui, dès le début de la création du studio, sont venus nous voir et nous dire bonjour, on est le SNJV, nous ne savions pas du tout qu'est-ce que c'était le SNJV. Et dire, bah voilà, on fédère les studios, les acteurs du jeu vidéo en France, on agit à la fois au niveau politique pour essayer d'améliorer les choses, et au niveau très terre-à-terre, très humain, de quoi vous avez besoin, et de connecter les gens entre eux. Et ce rôle de connexion, il est primordial, en fait, surtout au début d'une société. Il a joué surtout, selon moi, le rôle d'animateur et de coordinateur. Il a fait en sorte que les acteurs de la filière nationale se connaissent, se rencontrent et développent entre eux des synergies. Pour moi, la réussite du SNJV, elle se traduit notamment par le Game Camp. C'était vraiment l'occasion de voir d'autres travailleurs du jeu vidéo, de voir d'autres profils qu'on ne voyait pas avant et de pouvoir être dans une ambiance bon enfant, de pouvoir tous se retrouver. Et ça nous a vraiment permis de voir qu'on n'était pas seul avec des problématiques. On a vu que d'autres personnes avaient rencontré des problèmes similaires, donc ça nous a vraiment redonné un nouveau souffle. Ça a montré qu'il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment chouette avec tous les studios français et qu'ils soient l'équivalent en France d'un événement comme la GDC. Et c'est quelque chose qui est très important pour les professionnels du secteur. C'était vraiment une occasion de se connaître de manière très différente, entre autres dans des soirées particulièrement épiques où la décence m'interdit de rapporter qui a fait quoi. Des super apéros, très très doués dans l'organisation des apéros. J'ai le souvenir de quelques soirées très arrosées lors des festivités. Non, ça on a dit qu'on n'en parlait pas. C'était très bien. Donc pour moi, le Game Camp, ça a été une vraie avancée à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une belle aventure et ça s'est fait à un moment où effectivement il y a eu un essor du jeu vidéo français indépendant très intéressant et j'espère que ça va continuer pour les 10 prochaines années. Dans ces 10 dernières années, on a vu apparaître des hordes de petits studios de 2, 3, 4 personnes qui ont sorti des jeux originaux, gonflés, qui ont réussi à les vendre. Il y a une douzaine d'années où on disait, de toute façon, le jeu vidéo en France ne sera plus jamais comme c'était avant. Et je pense que la grande réussite qu'on a eue ces 10 dernières années, c'est vraiment de réussir à retrouver une aura en fait à l'international. Et c'est la croissance de la qualité des productions françaises qui ont permis à la France de rayonner partout dans le monde. Aujourd'hui, on est plutôt dans une bonne conjoncture et on a un jeu vidéo en France qui fait rayonner le pays partout dans le monde. En termes de nombre de personnes, on n'est pas si nombreux que ça, contrairement à d'autres pays. Et au final, on arrive vraiment à imposer un style, une façon de faire, une philosophie qui est reconnue dans le monde entier. On a réussi en une dizaine d'années à faire en sorte que les investisseurs, les éditeurs et l'ensemble des partenaires finalement des entreprises
reporte un regard extrêmement positif sur notre pays. Aujourd'hui, ce qui est quand même génial, c'est de voir des internationaux comme Sega, Bethesda, qui viennent s'installer en France pour faire des jeux, ou qui viennent racheter bien sûr des compagnies en France pour faire des jeux en France, parce qu'ils savent que si on veut des jeux de qualité, la France est devenue un endroit incontournable. Donc il faut qu'on soit fort sur les fondamentaux technologiques, les fondamentaux financiers, les fondamentaux organisationnels. Si on n'est pas, si on n'a pas une pensée culturelle, artistique, quelque chose d'un peu barré, on n'y arrivera pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on marche bien pour l'instant. On a souvent aussi au SNJV dû se battre contre des préjugés contre le jeu vidéo. On a encore dans les conditions de travail des collaborateurs, dans l'engagement des femmes dans le monde du jeu, beaucoup de travail à faire dans le monde entier. Je crois qu'un des grosses tendances de ces 10 dernières années, c'est aussi le fait que maintenant, il y a de plus en plus de créateurs et de créatrices de jeux vidéo qui peuvent venir de parcours différents. Le secteur n'est pas du tout assez mixte, pas assez divers, et qu'un des gros défis, ce serait d'essayer de le féminiser plus. Parce que le visage du jeu vidéo aujourd'hui a changé, le public a changé sur le marché du mobile. Au moins 50% des joueurs sont des femmes. Et je pense que le SNJV peut jouer un rôle là-dedans, justement en faisant de la sensibilisation, en amenant plus de femmes dans l'industrie. Le SNJV a un rôle à jouer à nouveau éducatif. Éduquer les jeunes filles, toutes petites, leur expliquer qu'il n'y a pas que faire des jolis dessins dans le jeu vidéo pour elles, mais il y a aussi vraiment programmer son jeu, faire du marketing, faire du game design, c'est possible, c'est pas un métier d'homme. Cette vision-là, elle est dépassée. On a un gros défi aussi, je pense, sur les studios en création, les petites structures qui bénéficient aujourd'hui moins de la bonne conjoncture. Voilà, pour réussir à les amener à une taille critique qui leur permettra ensuite d'être rentable. Et on a énormément d'opportunités, surtout liées au changement technologique. Et si nous sommes capables, en tant que créateurs, d'utiliser ces disruptions technologiques, on sera encore plus fort demain. Pour moi, il y a deux défis. Il y a le cloud gaming et puis je pense vraiment que l'e-sport est quelque chose d'important. Que le SNJV a un rôle à jouer là-dedans, encore une fois, pour démocratiser. C'est assez symptomatique du fait que maintenant, nous sommes une industrie qui pèse, qui est crédible, et donc on a plus de pouvoir, et donc du coup, on a plus de responsabilités. Encore une fois, c'est en échangeant, c'est en se retrouvant, c'est en confrontant nos expériences qu'on va être plus fort. Donc oui, quels que soient les enjeux, je dirais, quels que soient les challenges qu'on va affronter dans les prochaines années, le SNJV, et même plus généralement, le fait qu'on bosse ensemble, qu'on échange, ça va forcément nous rendre plus forts et nous faire avancer mieux avec tous les défis qui nous attendent. Je veux dire que je suis à la fois fier, mais aussi un peu ému, parce que au départ, il y a 10 ans, j'aurais pas forcément parié qu'on serait aussi nombreux, en aussi bonne santé. Bon anniversaire à tout le SNJV et je vous souhaite le meilleur pour les 10 prochaines années. Joyeux anniversaire au SNJV. Si moi j'ai un dernier message, c'est merci. Parce que je ne remercie pas suffisamment de ce travail de l'ombre. Donc voilà, merci à vous. grand merci. Je pense que tous on travaille dur. On est là pour faire réussir son entreprise, son projet. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on arrive à coopérer davantage, à travailler plus ensemble. Je pense que c'est à mon avis la clé du succès. Joyeux anniversaire au SNJV. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Happy birthday, Mr. SNJV. Et bon anniversaire, SNJV. Bon anniversaire, SNJV. Moi, je vous aime. Non, continuez à travailler comme vous le faites aujourd'hui. Je sais que voilà que le SNJV a fait un boulot incroyable et qu'il faut vraiment qu'il lâche pas, qu'il continue à vraiment porter cette industrie française et l'emmener vers encore beaucoup de défis, parce que pour moi c'est que le début en quelque sorte. Bon anniversaire au SNJV et il faut continuer, on n'arrête pas. Voilà, je vous souhaite tous de passer de bien célébrer ça. 10 ans, c'est un bel âge. Je suis vraiment triste de ne pas être des vôtres et je pense très fort à vous. Très bon anniversaire au SNJV et à toute l'équipe. Je voudrais féliciter tous les créateurs français qui font que la France rayonne avec cette puissance-là et la possibilité aussi qu'ils donnent à tous
toutes les différentes équipes de créer des jeux qui sont les meilleurs au monde. Puis donc je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire au SNJV, mais aussi à tous les membres, et bien sûr souhaiter très très bonne chance dans la compétition internationale à tous les acteurs du jeu vidéo français. Je pense pas uniquement aux studios et aux entreprises, mais aussi à nos écoles de formation, parce qu'on a les meilleurs du monde, je pense, les meilleures écoles de formation du monde, et qu'on restera une grande nation du jeu vidéo.